Quel que soit le rang d'une chefferie, celui qui l'administre a le titre de roi. À Batoufam, chefferie restée très traditionnelle, le chef supérieur actuel est Sa Majesté Nayang Toukam Innocent. Le chef supérieur Batoufam est d'abord le père de famille de toute la communauté Batoufam. Cette communauté compte aujourd'hui environ 12 000 habitants et le chef supérieur est donc le père de cette famille de 12 000 habitants. Alors ses fonctions à plusieurs dimensions. Elle va d'abord dans la restauration des coutumes Batoufam, de la tradition Batoufam, en plus dans d'autres directions telles que la vie socio-culturelle, l'économie surtout, et le bien-être de tous les Batoufam. Mon père, Toukam Fotso Eli Roger, a été intronisé chef, le 13e chef de la dynastie Batoufam, a été intronisé le 18 juillet 1954. Et pendant tout son règne, il a positivement marqué la chefferie Batoufam en général. Et malheureusement, il est mort après 35 ans de règne, il est mort le 24 avril 1989, date de mon arrestation. L'arrestation est un véritable enlèvement physique, parfois brutal, qui accompagne la désignation d'un nouveau chef. La tradition veut qu'il soit littéralement kidnappé, arraché de force à ses études ou à son travail, pour être emmené à la chefferie qu'il va désormais diriger. Chez nous, au pays Bamileke, les chefs sont très puissants. Ils passent avant le président. Le chef a le totem. C'est à base de ça qu'il est puissant. Le totem veut dire qu'il y a un homme qui vit à la maison et l'autre partie de son corps vit en brousse, comme un animal. Si vous tuez le totem d'un chef en brousse, la personne meurt. Un chef a plusieurs totems. Le chef de Baganté avait le totem panthère. Il a aussi le serpent boa, qui est le totem du chef. Le singe makoko, qui est le totem du chef. Le lion, qui est le totem du chef. Dans le cas spécifique de notre chefferie, de la chefferie Batoufam, notre totem, c'est la panthère. Et qui est le double de l'homme. En fait, et ça explique la puissance, de la force, le pouvoir qu'incarne donc un chef.